nos ancêtres étaient stockés pour la dernière fois avant de partir, de quitter le continent. Donc voilà. Et sur une des fenêtres, vous voyez bien la croix de Jésus. D'accord. Ça, c'est ce que nos ancêtres voyaient. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est ici en fait que nos ancêtres étaient enchaînés par ces Européens chrétiens, parce qu'en fait c'était une guerre qui était déclarée contre nous. Il faut savoir que les femmes et les hommes étaient séparés, et lorsque les femmes en fait devraient être violées, parce que quand ces Européens venaient, ils venaient sans leurs femmes, et pour assouvir leurs besoins, ben, ils venaient chercher les femmes, nos mamans. Et quand il y avait des mamans qui ne voulaient pas, ben, on les enchaînait avec ça. Là. Je ne peux même pas le soulever. Donc vous en avez un sur les bras, sur les pieds, un peu partout sur vous, sur votre corps. Et on vous laissait là, jusqu'à ce que vous changez d'avis. Et ensuite, on vous emmenait par là. Là-haut, là, vous avez des marches. Et vous avez une chambre. Et c'est là-bas qu'on les emmenait pour les violer. Voilà. Donc ceux qui aiment faire des pèlerinages à la con à Israël ou je ne sais pas quoi, c'est ici que vous devrez venir. Votre histoire, elle est ici. Pas à la Mecque, pas à Israël. Vous devrez revenir ici et vous reconnecter avec votre histoire.